Je vous lis donc le message donné par Jésus à Myrna, bien sûr donné en arabe, et tous les messages de Sophanié, ceux de la Sainte Vierge et ceux de Jésus ont toujours été dits en arabe. Voici le dernier message donné le 14 avril 2001. Mes enfants, je vous ai donné un signe pour ma glorification. Poursuivez votre chemin et je suis avec vous. Sinon, je ferme les portes du ciel devant vous. Mais ici se trouve une mère qui souffre, qui prie et qui me dit, « Seigneur, tu es tout l'amour. » Et je dis, « Ne désespère pas aux portes du ciel, parce que je les aime. » Mes enfants, ah non, 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 arrêtez. Donc voici le message que Jésus a donné à Myrna, et bien sûr en arabe. Je dois rappeler que tous les messages de Sophanié, ceux de la Sainte Vierge et ceux du Seigneur Jésus ont été donnés toujours en arabe. Mes enfants, je vous ai donné un signe pour ma glorification. Poursuivez votre chemin et je suis avec vous. Sinon, je ferme les portes du ciel devant vous. Mais ici se trouve une mère qui souffre, qui prie et qui me dit, « Seigneur, tu es tout l'amour. » Et je dis, « Ne désespère pas aux portes du ciel, parce que je les aime et je veux qu'ils me rendent cet amour par le don. » Mes enfants, appliquez-vous à vous connaître tel que vous êtes et à mesurer le degré de votre fidélité dans l'accomplissement de l'unité des cœurs entre vous. Parez-vous de patience et de sagesse et n'ayez pas peur si vous échouez. Persévérez dans l'espérance. Ayez confiance en moi, car je n'abandonnerai pas ceux qui accomplissent ma volonté. Quant à toi, ma fille, sois circonspecte et arme-toi de ma grâce. Sois patiente, sage, humble. Offre ces souffrances avec joie, car je t'ai déjà dit, tes fatigues ne se prolongeront pas. Dirige ton regard vers moi, tu trouveras la paix et le repos, car c'est moi qui te fortifie. C'est moi qui te délaisse et c'est moi qui te reprends pour te conduire à la joie du ciel. Applique-toi à la prière et que ton jeûne soit accompagné de méditation et de recueillement. Tu entendras alors ma voix en ton fort intérieur. Aie confiance en moi, car je n'abandonnerai ni toi, ni ta famille, ni aucun de ceux qui ont collaboré avec toi, en mon honneur et pour moi uniquement. Je dois signaler aussi que le jeudi saint, Monseigneur Georges Riachi, évêque grec catholique de Tripoli au Liban, était venu célébrer la messe à Sophanié même. Puis dans l'après-midi, il est arrivé peu après que Myrna ait eu les stigmates. Il est resté près d'une demi-heure auprès du lit à prier. Et avant de partir, il m'a dit, « Père Elias, dites bien à Myrna que j'ai beaucoup prié pour elle, que je lui ai demandé la force de la part de Jésus par l'intercession de la Vierge pour qu'elle soit forte, qu'elle soit fidèle et qu'elle soit plus forte que les tentations du démon. » Et il est parti. Merci.